transition, je reviens sur un mode normal. Voilà, c'est parti. Toi, normalement, je sais pas si j'ai besoin de toi, Streamlabs. Alors, je te rabaisse par ici. Non, même pas. Je te fais passer. Alors, tac, comment je fais? Là, derrière. Non. Ok, en fait, il va passer devant. Voilà. Mieux. Je vais grandir peut-être. Là. Comment je fais en fait? Si je fais comme ça, ça donne quoi? J'ai accès. Ah non, tout fichier en l'air. Alors petit, j'arrive, ça à la bonne taille, ça ira mieux. Ok. Eh ben c'est parti. Je ne sais pas de quoi j'ai besoin exactement. Ouais, en fait, je vais faire autrement. Hop, un instant. Je fais comment? Je fais comme ceci. Hop. Voilà. Je modifie deux ou trois bricoles. Ça par ici. Ça par ici. Ça, bien par ici, ça. Non, je veux pas de ça maintenant. Super. Alors. J'en étais où? J'en étais rapetissé ceci. J'arrive. Voilà. Pour faire quelque chose qui soit un peu plus pratique. Allez où ma souris? Viens ici, petite souris. Viens ici. Allez où ma souris? J'ai perdu ma souris. Voilà. Allez, viens. Par ici. Non. Allez, passe. Voilà. Tu veux pas? Super. J'ai perdu mon truc. Il est où? Je l'ai paumé. Bon. Eh ben, je m'en passerai. J'ai le processeur qui est en route ici. Et j'ai ceci ici. J'ai perdu quoi? J'ai perdu mon Streamlabs ici. Voilà. Mieux. Mieux. On va faire comme ça. C'est bien comme ça. Go. C'est parti. Alors, on démarre. J'ai pas le chat en fait. On sent. Ouais, putain, c'est parce qu'il est là-bas. Bon. Je vais récupérer mon chat. Je vais le fermer ici. Voilà. Et je vais le récupérer ici. J'arrive. Récupérer mon chat. Par ici. Voilà. Ça, du coup, je le réduis. Et le chat, il est là. Ça sera quand même plus visible. Go, ça doit être bon. Hein. Alors, j'y retourne. Quelle est la comédie musicale? Quelle est la comédie musicale? Il faut, je vais mettre un support ici aussi. Hop, histoire de voir un peu plus haut. Comme ça. Comment je pourrais faire? Comme ça. Ouais, hop. Mieux ça. Ah oui, mieux. Quelle est la comédie musicale de George Cukor qui a pour interprète Audrey Hepburn et Rex Harrison? Quelle est la comédie musicale de... J'ai pas besoin de majuscule. George. Avec un S, c'était bien. Harrison. Non, de George Cukor. George Cukor, K-O-R. C avec une majuscule. Q. C avec une majuscule. U-K-O-R. Qui a pour interprète. Qui a pour interprète.
Audrey Hepburn et Rex Harrison. Audrey. Je peux pas vérifier le son et regarder ici, ah, mieux. Quelle est la comédie musicale de George Cukor qui a pour interprète Audrey Hepburn? HEP BURN et Rex Harrison avec un H. Harrison. Je vais lui mettre une majuscule, ça sera encore mieux. Voilà. Quelle est la comédie musicale de George Cukor qui a pour interprète Audrey Hepburn et Rex Harrison? C'est donc My Fair Lady. Je vais baisser un peu mon micro pour voir mieux mon clavier. My Fair Lady. Contrôle A, contrôle I pour l'italique. Et divertissement. Ok. Là, du coup, je regarde pas ma cam si je fais comme ça. Est-ce que c'est mieux pour la cam? Voilà. Alors. Quelle empoisonneuse célèbre fut exécutée en 1676? Quelle empoisonneuse célèbre fut exécutée en 1676? C'est la marquise de Brinvilliers. La marquise de Brinvilliers. C'est donc de l'histoire. Quel est le peintre célèbre pour ses tableaux de danseuse? Quel est le peintre célèbre pour ses tableau de danseuse. Super. C'est qui? Edgar Degas. Edgar Degas. C'est de l'art et littérature. Ok. Qu'a dit Archimède dans son bain? Eureka. Bon, celle-là, je la fais pas. Ajouter. Quel a été le club vainqueur du championnat? Quel a été le club vainqueur du championnat de France de football en 1974, 1975 et 1976? Quel a été le club vainqueur VAIN QUEUR, c'est bon comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas de faute? Du championnat ma souris, mais si. Quel a été le club vainqueur du championnat de France en de football? Bah, je l'avais mis le B. Club vainqueur. Quel a été. Pourquoi tu me le mets pas? J'ai dit B. Voilà. Quel a été le club vainqueur du championnat de France de football en 1974, 1975 et 1976. C'est Saint-Étienne. Ok, sport et loisirs. Tac, tac, tac. Et de une.
Sur quelle île est Pearl Harbor? Sur quelle île est Pearl Harbor? C'est Oahu. Oahu. Géographie. Ah, il y a un souci là. Qu'est-ce que j'ai fait? Super, bravo. Mieux. Mieux, mieux, mieux. Quel groupe Paul McCartney a-t-il formé avec sa femme? Quel groupe Paul McCartney a-t-il formé avec sa femme? The Wings. The Wings. Ah, mieux en fait comme ça. Qui est propriétaire du manuscrit de l'appel du 18 juin? Qui est propriétaire du manuscrit de l'appel du 18 juin? C'est une petite majuscule ici. Qui est propriétaire du manuscrit de l'appel du 18 juin? Alain Delon, tiens donc, c'est ça. Hein? Ok. Est-ce que ça n'a pas changé depuis? Sachant que mon jeu est un peu ancien. En tout cas, il en a été propriétaire. Alors, qui attendait Ulysse en faisant de la tapisserie? Pénélope? Est-ce que je le mets celle-ci? Non. Où se trouve l'œil du cyclone? Au centre du typhon. À quel sport appartient l'expression demi-volte? L'équitation. Ah, si je fais ça, on ne voit plus la question. Bon, allez, je l'ai fait. Qui attendait Ulysse? Non, pas Ulysse, Ulysse, en faisant de la tapisserie. C'est donc Pénélope, Pénélope. C'est art et littérature. Voilà. Où se trouve l'œil du cyclone au centre du typhon? Au centre du typhon. C'est donc science et nature. Voilà. À quel sport appartient l'expression demi-volte? À quel sport appartient l'expression demi-volte? L'équitation. Tac. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, combien y a-t-il de stations de métro à Paris? Dans Paris en 1983. Combien il y a Combien y a-t-il de stations de métro dans Paris en 1983?
350. 350. Voilà. Géographie. Qui a réalisé le premier Fantomas? Qui a réalisé le premier Fantomas? Il y a un accent sur le O. Je vais surligner. Contrôle I pour l'italique. Super. Contrôle Z. Du coup, c'est quoi? C'est contrôle I. Oui. Donc, qui a réalisé le premier Fantomas? C'est Louis Feuillade. Louis Feuillade. Pas Feuillage, Feuillade. Professeur Feuillage, c'est sur YouTube. Alors, tac, tac. Alors, que signifie les initiales OTAN? Que signifie ces initiales OTAN? Organisme. Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Organisation du traité de l'Atlantique Nord. C'est histoire. Qui a dénoncé Samson aux Philistins? Qui a dénoncé Samson aux Philistins? Il y a un seul L. Philistin. Qui a dénoncé Samson aux Philistins? C'est Dalila. Et c'est art et littérature. Art. Zut! Allez, voilà. Qu'est-ce que le vif argent? Qu'est-ce que le vif argent? C'est du mercure. Du mercure. Science et nature. Combien y a-t-il d'épreuves dans l'heptathlon? C'est 7. Hop, je la passe. Qui sont les habitants du mont Athos? Qui sont? Non. Qui sont les habitants du mont Athos? Les Athéniens? Ah bah non, des moines, rien à voir, tout faux, n'importe quoi. Des moines. Géographie. Ah oui, les Athéniens, c'est Athènes, n'importe quoi, moi. Alors, qu'est-ce qui va et vient sur la couverture? Ok. Ah, ma feuille. Comment est-ce que je pourrais faire? Comme ça, peut-être. Est-ce que comme ceci, je serais mieux? Oui. Hop, un instant, je boule deux, trois bricoles. Voilà. Alors, qu'est-ce qui va et vient sur la couverture des de l'album des Rolling Stones Sticky Fingers? Qu'est-ce qui va et vient sur la couverture? Qu'est-ce qui va et vient sur la couverture de l'album des Rolling Stones, Sticky Fingers? Je surligne. Contrôle I pour l'italique. Non, décidément. Contrôle Z. Contrôle I pour l'italique. C'est donc. Une fermeture éclair. Une ferme
Fermeture, éclair. Voici, voilà, c'était divertissement. Ensuite, qui était l'auteur dramatique Marie de Marilyn Monroe? Qui était l'auteur dramatique Marie de Marilyn, comme ça? Qui était l'auteur dramatique Marie de Marilyn Monroe? C'était Arthur Miller. Arthur Miller. C'est histoire, ok, d'accord. Qui sont, non, que sont l'avarice, la colère, l'envie, la gourmandise, la luxure, l'orgueil et la paresse, les sept péchés capitaux? Je la fais pas. Quel autre terme décrit un animal à température stable? Quel autre terme décrit un animal à température stable, non pas sable, stable. Voilà. Il s'agit. Quel autre terme décrit un animal à température stable, à sang chaud? Ok. À sang chaud. C'est science et nature. Voilà. Qu'est-ce qu'une spartiate? Bravo, j'ai fait quoi là? C'était bon ça? Alors. Qu'est-ce qu'une spartiate? Donc on est en catégorie sport et loisirs. Une spartiate, c'est une sandale. Une sandale. Zut. Voilà. Ensuite. Quelle est la région de Bretagne comprise entre la pointe du Raz et le Pouldu? Quelle est la région de Bretagne comprise entre la pointe du Raz avec un Z et le Pouldu, et non pas Pouldard? C'est donc la Cornouaille. La Cornouaille. Géographie. Quel film de Jean Delannoy, d'après André Gide, a eu le Grand Prix à Cannes en 1946? Quel film de Jean Delannoy, d'après André Gide, a eu le Grand Prix à Cannes en 1946. Voilà. Quel film de Jean Delannoy, d'après André Gide, a eu le Grand Prix à Cannes en 1946? C'est donc la symphonie pastorale. La symphonie pastorale. Contrôle A, contrôle I. Divertissement. Quel bateau s'est heurté au Stockholm le 26 juillet 1956? Quel bateau s'est heurté au STO CKHOL Stockholm en non le 26
Juillet 1956. Voilà. Il y a une italique ici. Contrôle I. C'est l'Andrea Doria. L'Andrea Doria. Quel bateau s'est heurté au Stockholm le 26 juillet 1956? L'Andrea Doria. C'est bon la majuscule. Oui. C'est histoire. Qui a écrit Mort à Venise? Qui a écrit Mort à Venise? Qui a écrit Mort à Venise? Thomas Mann ou Thomas? Thomas, M-A-2-N, avec art et littérature. Qui a les cordes vocales les plus courtes, l'homme ou la femme? Qui a les cordes vocales les plus courtes, l'homme ou la femme? Il s'agit de la femme. Science et nature. Quel gâteau porte le nom du patron des boulangers? Quel... Super. Quel gâteau, non pas bateau. Gâteau. N'importe quoi. G-A. Voilà. Quel gâteau porte le nom du patron des boulangers? Quel gâteau porte le nom du patron des boulangers? C'est le Saint-Honoré. Le Saint-Honoré. C'est sport et loisirs. Voici, voilà. Ensuite, quel continent abrite le plus grand nombre de pays? Quel continent abrite le plus grand nombre de... Quel continent abrite le plus grand nombre de... Quel continent abrite le plus grand nombre de pays? C'est donc l'Afrique, qui doit en compter une quarantaine, 40 tout pile, ou... On est à 40. L'Afrique, il faudrait que je vérifie ça. C'était géographie. Qui est l'auteur du scénario du Grand Sommeil? Qui est l'auteur du scénario du Grand... Qui est l'auteur du scénario du Grand Sommeil? Raymond Chandler. Raymond Chandler, c'est un divertissement. Comment appelait-on les premières féministes? Comment appelait-on les premières féministes? Les suffragettes. J'ai un doute sur la réponse. Suffragette. C'est histoire. Tac, tac, tac. Okay. Quel héros de roman policier est la création de Maurice Leblanc? Quel héros de roman policier est la création de Maurice Leblanc? Blanc. Quel héros de roman policier est la création de Maurice Leblanc? Arsène Lupin.
Arsène Lupin. Alors, ensuite, quelle direction l'aiguille d'un compas indique-t-elle? Quelle direction l'aiguille d'un compas indique? Quelle direction l'aiguille d'un compas indique-t-elle? C'est le nord. Non, science et nature, pas A. Science et nature, voilà. Ensuite, quel est le nom du football aux États-Unis? Quel est le nom du football aux États? N'importe quoi, aux États-Unis. Quel est le nom du football aux États-Unis? Saucer ou soccer, comment on le prononce? Soccer. Sport et loisirs, voici, voilà, c'est terminé. Ensuite, quel pays constitue le triangle d'or? Quel pays constitue le triangle d'or? Avec une majuscule. Un triangle et une majuscule à or. Ok. Quel pays constitue le triangle d'or? Il s'agit de le Laos, la. Alors, Thaïlande. Thaï, la Thaïlande et la Birmanie. Voici, voilà, géographie. Ensuite, qui était le partenaire de Micheline Presle? Qui était le partenaire de Micheline Presle dans Les Saintes? Chérie, qui était le partenaire de Micheline Presle dans Les Saintes Chéries? Voici, voici, voici. Attendez, voilà. J'enlève ce câble. Un instant, je l'accroche pour pas avoir à chercher après. Voici, voilà. Il m'embêtera plus. Ah, je l'ai fait tomber, tant pis. Qui était le partenaire de Micheline Presle dans les Saintes Chéries? C'est Daniel Gélin. Daniel Gélin. Voici, voilà, divertissement. C'est parti. Ensuite, dans quelle île Napoléon a-t-il d'abord été exilé? Dans quelle île Napoléon a-t-il d'abord été exilé? Comment j'écris ça? Comment j'écris ça? Il n'y a pas d'accent. Exilé. Dans quelle île Napoléon a-t-il d'abord été exilé? Il s'agit de l'île d'Elbe. L'île d'Elbe. Voici, voilà, histoire. À qui Salvador Dali a-t-il succédé dans le cœur de Da... À qui Salvador Dali a-t-il succédé dans le cœur de Gala? Salvador Dali a-t-il succédé dans le cœur de Gala? Il s'agit de Paul-et-Loire. Paul et Luard. Voici, voilà. Art et littérature. Ok, ensuite. Quel est le pays de Lac-Va-Vite?
Quel est le pays de Lac va vite? Ok. Un instant. Tac, tac. Ouais, je vérifie un truc. Ça, on s'en fout en fait. Ok, tout va bien. Ça, je peux l'éteindre. Donc, quel est le pays de Lac va vite? La Suède, c'est ça? Ok. C'est quoi Lac va vite? La Suède. Alors, sciences et nature. Tac, 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 tac. Ah bah tant pis. Sinon je fais historique. Ah, c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas grave. Copier, je referme ceci, comme ça. J'ouvre ceci un instant, je prends des notes. Donc je vais noter qu'est-ce que lag va vite. Qu'est-ce que lag va vite? Voilà. Zut, contrôle Z, contrôle S, je rebaisse ça. Voilà, je prends des notes pour plus tard. Donc, en quelle année l'AS Saint-Étienne? En quelle année l'AS Saint-Étienne? Ça tient pas comme ça. A-t-elle affronté le Bayern de Munich en finale de la Coupe d'Europe des clubs? En quelle année? Alors là, point S, point Saint-Étienne. A-t-elle? Donc en quelle année l'AS Saint-Étienne a-t-elle affronté la Bayern de Munich? A-t-elle? En quelle année l'AS, si je faisais ça correctement, ce serait mieux. En quelle année l'AS Saint-Étienne a-t-elle affronté la Bayern? C'est quoi une Bayern? De Munich. En finale de la Coupe d'Europe des clubs. Hop, je vais faire ça, pareil. C'est quoi une Bayern? Je note ça. Contrôle S. Et j'y reviendrai plus tard. Donc. En quelle année l'AS Saint-Étienne a-t-elle affronté la Bayern de Munich en finale de la Coupe d'Europe des clubs? Et ben elle est là, ma réponse. Elle n'est pas loin. En 1976. Viens ici, petite souris. 1976. Voici, voilà. Sport et loisirs. Tac. Entrée, voilà. Ensuite, quels sont les pays reliés par la passe de Kaibar? Quels sont les pays reliés par la passe? C'est quoi ça? La passe de... Alors, K-H-A-Y-B-A-R. Quels sont les pays reliés par la passe de Kaibar? Il s'agit de du Pakistan et de l'Afghanistan. Le Pakistan et l'Afga, avec un H ce sera mieux, l'Afghanistan. Je remonte ici, je mets une petite majuscule, voilà. Quels sont les pays reliés par la passe de Kaibar? Il s'agit du Pakistan et de l'Afghanistan. Voilà, géographie. Ensuite, quel acteur était l'avocat de la famille Corleone dans Le Parrain? Quel acteur était l'avocat
de la famille Corleone dans le parrain avec une majuscule, oui. Voilà, par contre, j'enlève la majuscule à Corleone, apparemment, il n'y en a pas. E-O. Et il s'agit de Robert Duval. Robert Duval. Tac. Tac. Divertissement, voilà. Quel prénom a été le plus souvent porté par les rois de France? Quel prénom a été le plus souvent porté par les rois de France? Quel prénom a été le plus souvent porté par les rois de France? Voilà. C'est Louis. Histoire. Quel était le prénom de Picasso? Pablo, je la fais pas. Quelle est la planète la plus éloignée du Soleil? Pluton, mais je me trompe tout le temps. C'est fou ça. Alors. Quelle est la planète la plus éloignée du Soleil? Il s'agit donc de... Mais non, Pluton, ça marche pas, Pluton. Ce n'est pas Pluton. Pluton n'est pas une planète. N'est plus une planète. Voici, voilà pourquoi je me suis trompée. Allez, go, on efface. Supprime. Quel nageur avait prévu de remporter 6 médailles d'or aux Jeux Olympiques de 1968? Quel nageur avait prévu de remporter 6 médailles d'or aux Jeux Olympiques de 1968? Quel nageur avait prévu de remporter 6 médailles d'or aux Jeux Olympiques de 1968? Il s'agit de Marc Spitz. Marc Spitz. Voilà, sport et loisirs. Tac. C'est bon. Suivant. Quels sont les deux pays séparés par le rideau de bambou? Quels sont les deux pays séparés par le rideau de bambou? Hong Kong et la République populaire de Chine. Hong Kong et la République populaire de Chine. Alors ça, je ne sais pas si on dit encore comme ça en fait. Ce jeu étant vieux et la géographie évoluant relativement vite. Qui interprétait le rôle de Miss... Mister, Monsieur, Mrs. Robinson dans Le Lauréat, qui, comment est-ce que je dois dire, qui interprétait le rôle de MRS. Robinson dans Le Lauréat, qui interprétait le rôle de Monsieur, je sais pas, Robinson. Dans Le Lauréat, contrôle I, non. Contrôle Z et contrôle I, je vais y arriver. Tablette. Alors. Il s'agit de... Ah, c'était donc Mrs. C'est Anne Bancroft. Anne Bancroft. Bancroft. C'est divertissement, voici, voilà. Ensuite, où a été arrêté Louis XVI? Où
a été arrêté. Louis. Où a été arrêté Louis XVI? À Varennes. À Varennes. Histoire. Pour qui les raisins étaient-ils trop verts? Pour qui les raisins étaient... Non, comme ça, étaient-ils trop verts? Pour qui les raisins étaient-ils trop verts? Le renard, ok. Dans le roman de Renard, donc, j'imagine. Il me semble que c'était ça. Oui, c'est dans le roman de Renard. Un de mes livres préférés, le roman de Renard, il y a très très longtemps. Qu'est-ce qui, pour les alchimistes, est censé transformer le plomb en or? C'est quoi? C'est quoi? C'est... Oh, je me souviens plus. Qu'est-ce qui, pour les alchimistes... Qu'est-ce qui, pour les alchimistes, est censé, comme ça, avec un C, transformer le plomb en or? Qu'est-ce qui, pour les alchimistes, est censé transformer le plomb en or? Il s'agit de la pierre philosophale, qui ne me revenait pas du tout. La pierre... philosophale, sans S. Science et nature. Et enfin, qui a été le premier américain champion du monde de cyclisme professionnel sur route? Qui a été le premier américain champion du monde de cyclisme professionnel sur route. Ok. Ensuite, qui a été le premier américain champion du monde de cyclisme professionnel sur route? Il s'agit de Greg LeMond. Greg LeMond. Sport et loisirs. Voici, voilà. Alors, un instant. Ok. Bon, ben je baisse ça. Je continue. Ensuite, comment appelait-on autrefois le Soudan? Comment appelait-on autrefois le Soudan? C'était la Nubie. Mais non. La Nubie. Voici, voilà, divertissement. Qui s'oppose à Kramer dans un film réunissant Meryl Streep et Dustin Hoffman? Qui s'oppose à Kramer dans un film réunissant Meryl Streep et Dustin Hoffman? Il s'agit donc de Kramer. Kramer contre Kramer. Avec sans faute, ce sera mieux. Kramer, voilà. Divertissement. C'est bon. Ensuite, qui a fait condamner à mort Mary Stuart? Alors, c'est quoi toutes ces fautes? Condamné à mort
Mais Marie, pas Mary, Marie Stuart. Qui a fait condamner à mort Marie Stuart? Élisabeth Ière d'Angleterre. Élisabeth Ière d'Angleterre. Tac, tac. Supprime. Qui a fait condamner à mort Mary Stuart? Élisabeth Ière d'Angleterre, c'est de l'histoire. Voici, voilà. Ensuite, ajouter. Qui est le compagnon de Robinson Crusoe? De Robinson Crusoe? Qui est le compagnon de Robinson Crusoe? Qui est le compagnon de Robinson? Je vais y arriver. Qui est le compagnon de Robinson Crusoe? Voici qui est mieux. Ensuite, c'est vendredi. Voici quelque chose que j'avais également oublié. Art et littérature. Tac, tac. Et voici. Ensuite, que signifient les initiales MF? Que signifient les initiales M point F point point interrogation. Il s'agit de modulation de fréquence. Ça a peut-être d'autres significations. Modulation de fréquence. Ah oui, c'est la FM aussi. C'est la radio en fait. Alors, science et nature. Quel type d'épreuve dispute-t-on pendant l'East African Safari? Quel type d'épreuve dispute-t-on pendant Alors, quel type d'épreuve dispute-t-on pendant List African Safari. Quel type d'épreuve dispute-t-on pendant List African Safari? Il s'agit d'un rallye automobile. Un rallye automobile. Sport et loisirs. Voici, voilà. Ensuite, sur quel océan s'ouvre? Sur quel océan s'ouvre le golfe de Panama? Sur quel océan s'ouvre le... Il y a une majuscule et il y a un E au bout. Golfe de Panama. Sur quel océan s'ouvre le golfe de Panama? C'est l'océan Pacifique. Pas de majuscule. L'océan Pacifique. Géographie, voici qui est fait. À quelle génération musicale appartenait Johnny Hallyday? Ah. Ça donne quoi ça? Je vérifie un instant. Oui, c'est tout bon ça. Je le referme, j'ai même pas besoin que ce soit ouvert ça. Ah. Quelle génération musicale appartenait Johnny Hallyday? À quelle génération musicale appartenait Johnny Hallyday? Voilà, c'est donc n'importe quoi. Yé, comme ça. Et ensuite, c'est divertissement, c'est ça? Oui. Divertissement, voilà. Ajoutez. Vous pouvez dans les comment? Vous pouvez tout à fait répondre aux questions directement dans le chat pendant que je les note.
Si vous avez des réponses ou posez des questions ou demandez des précisions, remarquez, constatez mes erreurs. Qui a été le premier, avec une majuscule, premier secrétaire du comité central du Parti communiste français. Français. Qui a été le premier secrétaire du comité central du Parti communiste soviétique, ce sera mieux. Soviétique. Et c'était Joseph Staline. Joseph Staline. Vous pouvez tout à fait indiquer vos réponses dans le chat, qu'elles soient bonnes ou pas. Alors, c'est donc histoire. Quel fameux écrivain des années 20 a écrit Une rose est une rose? Une rose est une rose est une rose. C'est vraiment ça? C'est vraiment la... Ajouter. Où est-ce qu'il y a une faute? Alors, est-ce que quelqu'un sait s'il y a une faute? S'il y a une faute, n'hésitez pas à le dire. Quelle femme? Déjà, ils ont écrit écrivain, donc. Quelle femme écrivain des années 20 a écrit Une rose et une rose et une rose. Une rose est une rose et une rose, je me demande s'il n'y a pas d'erreur ici. Alors, il s'agit de Gertrude Stein. Alors, Gertrude, Stein. Et je vais aller voir parce qu'il y a une drôle d'odeur qui me perturbe. On dirait du gaz ou quelque chose, je vais voir ce qui se passe. Alors, art et littérature. Voici, voilà. Ajouter. Et puis, je vais voir ce qui se passe. Vérifier pourquoi il y a des odeurs étranges.
C'est reparti. Alors, je mets ça en mode normal. Go. Je continue. Alors, quelle est la couleur la plus répandue du lapis-lazuli? C'est un bleu. Ok, je la fais pas. Si je mets ma souris, ça ira mieux. Qui était Guichin? Je vérifie ça de près. Qui était Guichin Funakoshi? Guichin Funakoshi. Comment ça se prononce? Qui était Guichin Funakashi? Funakoshi déjà. C'est un O et non pas un A. Qui était Guichin Funakoshi? Ça a l'air d'être ça. Alors, c'était qui? Le fondateur du karaté. Waouh! Karaté. Qui était Guichin Funakoshi, le fondateur du karaté? Super. Alors, sport et loisirs. Tac. Ajouter. Comment je ferais ça? Bon, on verra ça plus tard. Alors, ça de côté. Quel était le... N'importe quoi, j'y retourne. Quel était le précédent nom de N'Djamena? Quel était le précédent nom de N'Djamena? Il s'agit de Fort Lamy. Fort Lamy. Voici, voilà. C'est donc de la géographie. Ensuite, combien y a-t-il de salopards dans le film de Robert Aldrich? 12. Alors, je vais la faire autrement. Je vais faire les 12 Salopard est un film de quel? C'est un réalisateur, j'imagine. Ou alors, qui est le réalisateur du film? On va la faire autrement. Qui est le réalisateur du film? Voilà, beaucoup mieux. Pour moi. Qui est le réalisateur du film Les 12 salopards? Voici, voilà. Il s'agit donc de Robert Aldrich. Robert Aldrich. Moi, je préfère cette question. Alors, divertissement. Voici, voilà. Ensuite. De quel groupe religieux l'Aga Khan est-il le chef? De quel groupe religieux l'Aga Khan est-il le chef? De quel groupe religieux l'Aga Khan est-il le chef? Il s'agit donc de les Ismaéliens. Les, en majuscule, oui. Ismaéliens. Je ne connais pas du tout. Alors, histoire. Tac, 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 tac. Ok. Ensuite. De qui Chris Jones et Milton Brabeck sont-ils les gardes du corps? De qui Chris
Jones et Milton Brabeck sont-ils les gardes du corps? De qui Chris Jones et Milton Brabeck sont-ils les gardes du corps? Malko Lynch. Malko Lynch. Super, j'ai pas noté la réponse. Malko Lynch. Voici, voilà, arrêt littérature. Ensuite, combien de vertèbres y a-t-il dans le cou d'une girafe? Combien de vertèbres? Alors, comme ça. Y a-t-il dans le cou d'une girafe? Combien de vertèbres y a-t-il dans le cou d'une girafe? Voici, voilà. Alors, avec une majuscule, ce sera mieux. Combien de vertèbres y a-t-il dans le cou d'une girafe? 7. S-E-P-T. Voici, voilà. Science et nature. Tchac. Ajouter. Ensuite, sous quel nom le footballeur Edson Arantes de Nascimento est-il plus connu? Sous quel nom le footballeur Edson Arantes do Nascimento est-il plus connu? Ici, j'enlève la majuscule, voici, voilà. Sous quel nom le footballeur Edson Arantes de Nascimento est-il plus connu? Alors, c'est Pelé. Pelé. Voici, sport et loisirs, voilà. Tac et tac et tac. Hop là. Ensuite, dans quelle île trouve-t-on la ville de Padang? Dans quelle île Super, avec un trait, ça suffira. Alors, dans quelle île trouve Dans quelle île trouve-t-on la ville de Padang? Voici, voilà. Il s'agit de Sumatra. Sans les fautes, c'est mieux. Hein. Sumatra. Alors, géographie. Voici, voilà. Quelle speakerine de la télévision française présenter une émission de cuisine? Alors là, j'ai une réponse, mais c'est pas la bonne. D'ailleurs, je m'en souviens plus du tout. Quelle? Alors, speakerine. Comme ça? Speakerine. Speakerine. De la télévision française. Quelle speakerine de la télévision française présentait une émission de cuisine? Voilà, je vais y arriver. Il s'agit donc de Catherine Langer. Catherine Langer, qui est-ce qui connaît Catherine Langer? Alors, divertissement, tac, tac, tac. Ajouter. Alors, où est la boisserie? Où est la boisserie? Si vous connaissez la réponse, vous pouvez l'écrire dans le chat. Alors, moi, j'ajoute une majuscule, voilà. Mais non, j'ai dit une majuscule, pas une minuscule. Alors, où est la boisserie? Est-ce que quelqu'un a écrit la réponse? Non. Alors, Colombey, les deux églises.
Colombé avec un E, Colombé, les deux églises, voici, voilà. Et j'ai mis un 2 à la place du E. Où est la boisserie à Colombé, les deux églises, voici, voilà. Si vous voyez des fautes, n'hésitez pas non plus à le dire dans le chat. Alors, Colombé, les deux églises, c'est donc de l'histoire. Avec un contrôle AH, voilà. Histoire. C'est bon ça? Ajouter, ce sera mieux. Ensuite, quel journal américain a dévoilé l'affaire de Watergate? Qui connaît ça? Quel journal américain a dévoilé l'affaire du Watergate? L'affaire du Watergate. Quel journal américain a dévoilé l'affaire du Watergate? Il s'agit du Washington Post. Le Washington Post. Voilà. Je vais faire comme ceci. Je surligne. Contrôle I pour l'italique. Et je passe ça en art et littérature. Qu'est-ce que ça vient faire en art et littérature, ça? Sérieusement, c'est de l'histoire, non? Alors, ajouter. De quels animaux Napoléon avait-il la phobie? De quels animaux Napoléon? Léon, ça ressemble à un troll, ça. Avait-il la phobie? Est-ce que c'est vrai? En tout cas, ici, il est écrit qu'il avait peur des chats. Si quelqu'un sait si la réponse est vraie ou fausse, ne vous gênez pas. Alors, ensuite, quelle est la plus haute station de sport d'hiver française? Quelle est la plus haute station de sport avec un S d'hiver française? Il s'agit de Val Thorens à 2300 mètres. Val Thorens. 2300 mètres. Ok, et donc ça c'est sport et loisirs. Voici, voilà. Hop. Eh bien, j'arrive au bout de ma pile. Je vais peut-être continuer. Dans quel hémisphère? Alors, y a-t-il le plus beau? Dans quel hémisphère y a-t-il le plus de pays? Dans quel hémisphère y a -il le plus de pays? Voici, voilà. Il s'agit de l'hémisphère nord. L'hémisphère nord. Ensuite, géographie, ce sera bien. Voilà. Alors, quel est le nom du paquebot dans le film de Fellini et Vogue le navire? Quel est le nom du paquebot dans le film de Fellini et Vogue le navire? Gloria N. Gloria N. Voilà. Divertissement. Ensuite, qui est l'idole des Donaldistes? Qui est, alors là, elle est bizarre cette question, l'idole des Donaldistes, sachant que c'est un vieux jeu, ça n'a rien à voir avec Donald Trump.
Alors, qui est l'idole des Donaldistes? Je connais même pas ça, c'est quoi ça? Ok, qu'est-ce que ça vient faire en histoire? Donald Duck, c'est quoi les Donaldistes? Donald Duck. Ok, je vais la copier celle-ci. Pour vérifier dans quand j'aurai un moment. Contrôle V. Contrôle V. Contrôle S. Voilà. Dans le doc, et je verrai tout ça plus tard. Donc, quelle est l'idole? Qui est l'idole des Donaldistes? Donald Duck. Histoire. Quel peintre a dit des cubistes? Je casserai leur guitare. Quel peintre a dit des cubistes? Je, oui. Bah alors, je casserai leur guitare. Non, pas guitage, guitare. Quel peintre a dit des cubistes? Je casserai leur guitare. Je remonte ici, je mets une majuscule là, mais non. J'efface ici, je remonte là. Je mets une majuscule ici et j'efface là. Voilà. Et avec un point d'interrogation, ce sera encore mieux. Alors, est-ce que quelqu'un a la réponse? Il s'agit de Juan Miro. Voilà. Alors, art et littérature. Voici, voilà. Ensuite, où trouve-t-on les nodules de manganèse? Où trouve-t-on les nodules de manganèse? Sans majuscule, sans S au bout, et je vais récupérer nodule avec un point d'interrogation pour vérifier ce qu'est un nodule. Voici, voilà. Donc ça, c'est pour moi. Je vérifierai plus tard, je ferai d'autres questions à partir de ça. Alors, où trouve-t-on les nodules de manganèse? Au fond des océans. Au fond des océans. Voici, voilà. Science et nature. Voilà. C'est parti. Ensuite, quel a été le premier club vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions? Quel a été le premier club vainqueur, comme ça, vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions. Alors, on va mettre une majuscule ici, ce sera mieux. Quel a été le premier club vainqueur de la Coupe d'Europe des clubs champions? Je vais y arriver, oui. Voilà. Tac. Il s'agit du Real de Madrid. Le Real de Madrid. Mettez les réponses en commentaire si vous les connaissez. Posez des questions, ajoutez vos précisions. Ou dites ce que vous avez envie. Bonjour, ça marche. Alors, tatata, le Real de Madrid, c'était sport et loisirs. Voilà. Et voici, voilà. Est-ce que je fais une pause après ça? Alors, qu'est-ce qui a fait la renommée de Kimberley en Afrique du Sud? Qu'est-ce qui a fait la renommée de Kimberley en Afrique du Sud? Avec une majuscule. Tac. Les diamants.
Géographie. Qu'est-ce que nous sommes tous dans un film d'André Cayatte? Ah, j'ai pas mis géographie ici. Voilà. Et voilà. Qu'est-ce que nous sommes tous dans un film d'André Cayatte? Des assassins. Voici, voilà. Divertissement. Tac et tac. De quel ouvrage Développement de la production capitaliste est-il le premier tome? De. Contrôle Z. De quel ouvrage Développement de la production capitaliste est-il le premier tome? Voilà. De quel ouvrage Développement de la production capitaliste est-il le premier tome? Le Capital. Alors, déjà, je vais surligner ici et mettre en italique. Voilà. Et ensuite, je vais écrire le capital. Et je mets quoi? Tout en italique ou juste tout? Oui. Contrôle A, contrôle I. Il s'agit de histoire. De quel miracle est responsable Jésus aux noces de Cana? Allez, je le mets. J'ai vu la réponse, c'est de la triche. Miracle est responsable Jésus aux noces de Cana. Avec un A ici, ce sera mieux. Voilà. Et donc, d'avoir changé l'eau en vin. D'avoir changé l'eau en vin. Voici, voilà. Alors, art et littérature. Voilà. C'est bon. Quelle étoile, hormis le Soleil, est la plus proche de la Terre? Je vais ajouter ça. Quelle étoile, hormis le Soleil, est la plus proche de la Terre? Hop, avec une majuscule ici. Il s'agit de Alpha du Centaure. Alpha du Centaure. Alpha du Centaure. J'ai mis une majuscule, ils n'en ont pas mis. Ok. Et il s'agit de science et nature. Voilà. Ensuite, où est le 19e trou d'un parcours de golf au globe Houss? Ok. Où est le 19e trou d'un parcours avec un S? Oui, de golf. Où est le 19e trou d'un parcours de golf? Au clubhouse. Ok. Au club house. Il s'agit de sport et loisirs. Voilà, allez, je continue. Après, j'irai peut-être faire une pause. J'ai mal au dos. Quelle mer sépare la Nouvelle-Zélande de l'Australie? Alors, quelle mer sépare la Nouvelle-Zélande de l'Australie. Tac, tac. Qu'est-ce que j'ai fait? Contrôle Z. Tu remontes ici, tu supprimes ça et tu mets une majuscule mieux. Quelle mer sépare la Nouvelle-Zélande de l'Australie?
C'est la mer de Tasman. La mer de, je ne sais pas si on prononce le N à la fin, Tasman. C'est géographie. Quel était le salaire d'Yves Montand et de Charles Vanel dans le film d'Henri-Georges Clouzot? Le salaire de la peur. Bon, allez, je le mets. Quel était le... Super. Quel était le salaire d'Yves Montand et de Charles Vanel dans le film d'Henri? Avec un i, c'est mieux. J'ai dit un i, pas un trait. Henri, G-E-O-R-G-E, avec un S, d'Henri Georges Clouzot. Quel était le salaire d'Yves Montand et de Charles Vanel dans le film d'Henri Georges Clouzot? Le salaire de la peur. Le salaire de la peur. En fait, là, j'ai laissé la question uniquement parce qu'elle permet de remémorer le nom des acteurs et le réalisateur. Alors, ça c'est bon. Divertissement. Qui a été le plus jeune président de la République française? Qui a été le plus jeune président de la République française? J'ajoute une majuscule à République. J'ai dit, je mets une majuscule. Voilà. Qui a été le plus jeune président de la République française? Louis-Napoléon. Louis-Napoléon Bonaparte. Louis-Napoléon Bonaparte. Voilà. Alors, c'est histoire. Ensuite. Qui a peint une broyeuse de chocolat? Qui a peint une broyeuse de chocolat? Il est super ce titre. Une broyeuse de chocolat, je ne connais pas du tout, mais j'adore. Alors, contrôle I. C'est Marcel Duchamp. Marcel Duchamp. Voilà. Alors, art et littérature. Ensuite, qu'est-ce qui est connu sous le nom de la maladie des rois? Connaissez-vous la réponse à cette question? Qu'est-ce qui est connu sous le nom de la maladie des rois? Le chat est ouvert. Sous le nom de la maladie des rois. Je vérifie s'il y a un italique. Apparemment, ils ont mis ça. Alors, qu'est-ce qui est connu sous le nom de la maladie des rois? Il s'agit de l'hémophilie. Qui était certainement lié à des soucis de consanguinité. Ben alors. Contrôle A. Voici, voilà. Science et nature. C'est bon ça? Allez, suivant. Dans quel pays se trouve le circuit automobile de Kyalami? Dans quel pays se trouve le circuit de Kyalami? Voilà. J'ai tout écrit? Non. J'ai oublié un mot. Le circuit automobile.
Voilà. Donc le circuit automobile de Kyalami se trouve en Afrique du Sud. Voilà. Sport et loisirs. Tac. Suivant. Quelle est la frontière la plus traversée au monde? Je ne sais pas si c'est encore valable aujourd'hui, ça c'est une ancienne question. Si c'est plus bon et que vous le savez, ne vous gênez pas pour le dire dans le chat. Quelle est la frontière la plus traversée au monde? C'est la frontière américano-mexicaine. Si cette réponse est toujours valable aujourd'hui, vu la date de mon jeu de Trivial Pursuit, qui est une ancienne version américaine. Non, la frontière américano-mexicaine. Voici, voilà. Géographie. Ensuite. Quelle est la suite de Orphée de Jean Cocteau? Quelle est la suite de Orphée de Jean Cocteau? Alors, une majuscule ici. Je surligne ici pour mettre en italique. Et je donne la réponse. C'est le testament d'Orphée. Le testament d'Orphée. Voici, voilà. Contrôle Z, contrôle I et divertissement. Qui a dit la fin justifie les moyens? Qui a dit la fin justifie les moyens. Connaissez-vous la réponse? C'est Machiavel. Alors, histoire. Qu'est-ce que j'ai fait? Historique. Modifié. Ah bah oui. J'ai fait une petite erreur sur mon tag. Voilà qui est mieux. Je referme ceci. J'enlève ça. Et j'y retourne. Quel genre de livres sont publiés par l'éditeur Fodor? Quel genre de livres sont publiés par l'auteur, pas, non pas l'auteur, l'éditeur. L'éditeur. Quel genre de livres sont publiés par l'éditeur Fodor? Tac. Supprimer. Une majuscule à Fodor, oui. Tac, tac. Ensuite, quel genre de livres sont publiés par l'éditeur Fodor? Des guides touristiques. Des guides touristiques. Voici, voilà. Art et littérature. Que signifient les lettres TSF? C'est vieux, ça. Que signifie les lettres T.S.F. Alors, c'est télégraphie sans fil. Télégraphie sans fil. Voilà. Quel champion est devenu célèbre grâce à sa nouvelle technique de saut en hauteur?
Quel champion est devenu célèbre grâce à sa nouvelle technique de saut en hauteur? Il s'agit de Dick Fosbury. Dick Fosbury. Avec une majuscule, je préfère. Supprime sport et loisirs. Voici qui est fait. Ajouter. Bon, ben je vais m'arrêter là, je crois. Tac. À plus tard, peut-être. Voici. Ah, j'ai pas de scène de fin. Allez, go. Oh. Je fais comment? Un instant, je regarde ça. Oh, ta ta ta. Si je fais ceci, je fais scène de démarrage. Ah, mais ça marche pas. Il n'y est pas. Bon. De toute façon, ce n'est pas ce que je voulais faire. Parce que j'ai tout fermé. Maintenant, il est ouvert pourtant. Allez, c'est parti. J'éteins. Salut, à plus.